Moi, je veux toujours faire ça. Yo, c'est Calam, et donc, on se retrouve pour le quatrième stream sur Golden Sun 2. Là, je suis perdu, et la connexion s'est pas améliorée du tout depuis la semaine dernière. Alors pourquoi? Alors attendez, je vais afficher deux trucs. Genre ça, j'enregistre, et je vais le débrancher. Voilà. Ça c'est pas connecté à internet, non j'ai rien d'autre de connecté à internet là normalement. Qu'est-ce que ça peut être? La PS4 fait pas de mise à jour que je sais ça, je vais aller vérifier si ça se trouve c'est ça. Je reviens. Non mais j'ai dit que je voulais que tu coupes le son du micro, ordi. Ah, donc là je peux pas faire beaucoup mieux que ce que j'ai là. Bah non, ça devrait se calmer. Et je sais pas pourquoi la musique s'est coupée toute seule, enfin la fenêtre a changé. Bon. Voilà. Donc la dernière fois on s'était arrêté après s'être fait poutrer. Mais alors poutrer dans le désert. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai farmé un petit peu hors caméra. Voilà, donc j'ai gagné quelques niveaux, j'ai gagné à peu près un niveau et demi, deux niveaux. Et vous pouvez voir que, du coup, Cilia a récupéré le jean, je l'ai récupéré hors caméra, donc ça s'est passé normalement, quoi. J'ai juste eu de la chance, je l'ai pris par surprise, j'ai balancé des invocations, et par miracle, personne n'est mort, puis je me suis barré. À part ça, j'ai rien fait d'autre, donc ça fait quand même que Cilia... Avec le jean, elle gagne 20 points de vie. Elle gagne 4 de défense, c'est toujours ça. Elle gagne de l'agilité, elle gagne un peu d'attaque, tout ça. Donc c'est très très bien. Du coup, on va pouvoir aller tenter de faire ce fichu désert. Et la connexion ne veut toujours pas se stabiliser. Ça devrait venir, je pense. Laissons-lui le temps. Mais j'avoue que c'est assez agaçant que la connexion soit aussi instable. Et là, la map tremblote. Des fois, elle tremblote pas. Des fois, elle tremblote. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, cette connexion à la con? Pourtant, j'ai vérifié. Personne n'est sur Internet, normalement. S'il tient une parole. Non, toi tu vas pas utiliser ça, tu vas juste attaquer. Normalement, personne devrait être sur Internet. Ouais, mais des pertes d'image, c'est quand même chiant quoi, c'est pas joli.
Non, parce que avant ça marchait très bien, puis depuis la semaine dernière ça fait chier. Parce que là c'est vraiment ce que ça me dit au niveau du CPU, je suis entre 3 et 6% d'utilisation pour le stream, ce qui est pas énorme. Je suis à 30 FPS constant, non, c'est vraiment la connexion qui arrête pas de vaciller sans arrêt, qui m'affiche en rouge. C'est très très chiant. Ouais, niveau 11. Niveau 11, voilà, elle a gagné encore 10 PV. Elle commence à être un peu solide. Mais c'est chiant, quoi, la perte d'image. L'audio est toujours envoyé, ouais. Heureusement que l'audio est envoyé, mais voilà, des images qui sautent, c'est pas joli, quoi. Je pourrais réduire la qualité du stream, genre je pourrais le passer en 360p, mais ça deviendrait quand même assez moche, quoi. Là-dessus, je vous laisse juge si vous voulez que je baisse la qualité pour essayer d'avoir un truc plus fluide. Salut Phoenix. Alors désolé, mais la connexion est toujours un peu aux fraises aujourd'hui. Donc si vous voulez, je baisserai la qualité du stream pour le mettre en 360 pour essayer d'avoir une image plus fluide mais moins bien défini. Alors, voyons voir. Eux, ils rapportent pas mal d'XP, donc on va se les faire. Plus résistante, c'est vite dit quand même. Par là, je crois que ça, on peut passer par ici. De toute façon, accélérer les animations d'épicénergie, hein, c'est. Par là, faut pas. Je crois c'est par ici qu'il faut. Non, c'est pas par là. Je sais plus par où faut passer. Aïe. Y a pas d'autre choix que de faire ça, donc je suppose que ce sera en revenant. Alors, le coffre qu'on n'avait pas encore ouvert. Un antidote. Bon, bah, c'est toujours ça. Bon, ça sert à rien de monter, de toute façon. Ça, c'est encore de l'XP gratos, donc on va la prendre. Aïe. Fou, j'ai bien fait de la mettre en défense. C'est qu'on commence à prendre cher. Donc
on va descendre ici. Ah, elle a une pierre synergie, donc ça c'est cool pour nous. Bon, juste défoncer cette saloperie. Le nombre d'images qui sautent, c'est quand même bien dégueu. Est-ce qu'il y a un truc par là? Non, il y a juste un toboggan. Ah, on est à la fin du donjon. Bon, énigme basique. Hein. La grosse saloperie. Il va falloir le bon timing. Parce que sinon il va se retrouver coincé et il va tourner en rond en fait. Est-ce que là c'est bon ou pas? Là oui. Voilà. Là il part vers le haut comme il faut. Sinon il est coincé, il tourne en rond et on est bloqué. Et là, c'est encore plus tricky. Donc il faut qu'il tourne par là. Ouais, donc c'est ici qu'il faut bloquer. Et voilà. Là, par contre, on va sauvegarder parce que ça va être tendu. Creuser. Enfoiré. Le roi scorpion. Bravo. Cure poison. Ah bah tiens, c'est tant bien que je laisse ce truc. Est-ce qu'il est sensible à la glace? Et ward, ce serait bien. Ouais, il est sensible à l'eau, d'accord. Je suis empoisonné. Un petit ward sur tout le monde, histoire d'augmenter la résistance, il balance des psy-NJ. Iron, bah, c'est assez obvious quoi, de la défense, toujours pratique. On va balancer des invocations avec Sylvia. Heureusement, on est plus rapide que lui. De dégâts, c'est vraiment pas énorme. Double cisaille, j'ai bien fait d'augmenter la défense.
Atalanta. Ah, il s'est défendu, enfoiré. On se soigne. Ça se passe bien. Cent trente quand même. Ça va, ça se passe, ça se passe. Cent soixante-quatre, 47, il est presque mort. 48, ouais, il devrait pas tarder à y rester là. Ouh, c'est violent ça, là. Les riffs de Fouine, j'avais oublié. Il va être temps de mourir. Allez. Voilà. Ouais, une fiole, tout ça. Et la gemme de fouille. Offre une cierge. Donc on va l'équiper. Merci Phoenix. Un petit oasis, c'est cool. Ah oui, il y a toujours le poison. Mais je n'ai rien pour t'en soigner, ma grande. Pas encore. Pour l'instant, tu vas devoir faire avec.
Alors je regarde juste parce que j'avais vu qu'il y avait un truc à creuser dans le coin. Et là, toi, tu peux utiliser soin du poison. Alors j'avais vu qu'il y avait un endroit où creuser tout à l'heure. Donc là on peut pas creuser normalement. Si on peut mais ça sert à rien. Justice. On va avouer ça s'est quand même beaucoup mieux passé là. Non, on se barre. On se barre, on se barre, on se barre. C'est juste en dessous là. Hop. Oh tiens, ici on peut creuser. Il y avait une échelle. Tiens, mais toi, fous vite, toi, t'as pas spy one shot sur le chemin. Genre comme ça. Encore des jeans, c'est bien. Là, ici, y a rien, je crois. Là, le caillou, on peut pas examiner. Non, y a rien. Hey, regardez là-haut. Comment est-ce qu'ils sont arrivés juste ici? Peut-être qu'il y a un passage qu'on a raté. Peut-être qu'il est possible de traverser ce désert après tout. On va peut-être pouvoir trouver un chemin jusqu'à Alafra. Je me fiche d'où on va tant qu'il fait frais. Hé, je l'ai trouvé. J'ai trouvé un passage. Ah, je suis content pour eux. J'ai fait ma BA de la journée. Oh, y a rien. Y a vraiment rien? Non, y a rien. Mais là, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh. Certains de ces trucs, parfois il y a des choses. Hop là. Genre 315 pièces d'or. Comme ça. Non, on se barre nous. Non, j'ai dit qu'on se barrait. On va pas pouvoir se barrer parce que sinon Sylvia va mourir. J'ai mal. Deux en défense. Oh, 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 ma vie.
Takina, oui, merci. Lina qui tank. Oui, Nav niveau 12. Pas de nouvelle compétence, parce que ça nous donne une nouvelle compétence avec le Pierrot. Alors, on a la danse au sabre. Ah, on a la carte de feu, ça c'est cool. On va tester sur les ennemis qui sont à l'extérieur. Ah oui, ici il y a du bordel. Alors comment ça marche déjà? Ah oui, c'est comme ça, hop. Et là, je crois que c'est un coffre qui est safe. Et il contient une massue assez sympa. Ah non, il contient une noix. Qui augmente la défense. Cilia, je pense, c'est bien. Bon, Cilia, c'est bien. Alors, on a donc les flammes et la carte de feu. On va d'abord utiliser... On va utiliser la carte de feu parce que c'est cool. C'est violent, putain. Alors là, par contre, ça va être légèrement tendu. Non, c'est pas pareil que je voulais aller. Hop. Voilà. Et là, il y a la massue sympa. On sauvegarde. Ça va pas se faire avoir par une mimique à la con. Voilà. Donc, évidemment qu'il est bien. Avec le boost hack qui augmente les dégâts de feu. Oh, intéressant. La donner à elle serait peut-être pas bien utile. On va la donner à Pavel, la massue. S'il y a, franchement, c'est bien de lui augmenter l'attaque, mais bon, franchement, ça lui est pas bien utile en vrai. J'avais oublié qu'elle ressemblait à ça, les massues de Pavel, c'est des putains de battes de baseball. Donc ça augmente ses dégâts de feu. En effet, il fait un peu plus mal. Ah, ici aussi il y a un truc à récupérer normalement. Un truc très cool. Donc ça c'est sur une tige des la synergie vision, ça nous indique où aller. Je regarde juste un peu. Si vous pouvez y accéder par là ou s'il faut faire un grand tour. Meurs. Boostac. Voilà, je crois que c'est par ici qu'il faut passer. Et le coffre là contient quelque chose d'extrêmement sympa aussi.
le fouet du dresseur, qui fonctionne comme la carte mystérieuse, ça te donne le job dresseur. Donc là, j'ai le coup de fouet, l'invocation d'un loup qui fait des dégâts neutres, et l'invocation de salamandre. Voilà. Donc attaque 105, 63, 62, 105, 63, 62. Ouais, c'est un peu plus bourrin niveau stats. Ok. On va le mettre en entraîneur un peu pour voir à quoi ressemblent les synergies. Putain, la double attaque qui l'a tué. Ça fait pas grand chose. Pas mal. Même le remettre en normal. Et on se tire de ce désert à la con. Et merde, raté. La ville, oui, on y est. Voilà, ce personnage est hyper chiant. Oui, il y a une énorme vague, il y a détruit tous les bateaux de la ville. Bon appétit. Ah, elle nous empêche d'accéder à l'auberge. Ah oui, c'est parce qu'il y a eux qui arrivent avant, c'est vrai. On y est? Où est l'ancien? Il arrive. Oh mon dos. À soigner, j'ai l'impression d'avoir marché un marathon. Ça va, je pourrais en faire deux autres. Alors, c'est à la fra. Madra n'est pas une petite ville, mais la vache, cette ville est immense. Nous ne sommes pas venus faire du tourisme, monsieur le maire. Nous sommes ici pour ramener Brings au Champa. Je sais. Parce que nous devrions aller directement converser avec le maire de la fra. On n'est pas en état de se présenter au maire là. Regardez, Brise est clairement pas là. Et en plus, on sait déjà que Pierre c'est. Silence! Il semblerait que la fra a aussi subi les effets de cette immense vague. Fait aussi en ont bavé. Ça explique pas pourquoi la. Ah oui, ça expliquerait pourquoi la fra n'aura aucun bateau à vendre. Vous savez, quand on regarde comme ça, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont jamais eu qu'un seul bateau.
Donc, si tu avais vraiment besoin d'un bateau, le seul moyen serait de le voler. Mais cela poserait beaucoup de problèmes. Cela causerait la panique. Oui, dans ce cas, ça veut dire que les pirates n'ont pas encore trouvé le bateau et sont toujours là. Donc, tu penses qu'ils ont réussi à... Non, dans ce cas, tu penses qu'on a réussi à rattraper Briggs? Sans doute. C'est pour ça que je veux rencontrer le maire avant que les Champas essaient de voler un bateau. Ah oui, je comprends. Dans ce cas, nous devrions aller voir le maire tout de suite. Excusez-moi. Savez-vous où nous pouvons trouver le maire? Le maire? Allez au bout de cette route, c'est la dernière maison, vous pouvez pas le louper. Ah, donc nous on va aller à l'auberge tout de suite. Donc, il faut d'abord qu'on aille au temple. Parce que enfin, Sika est morte comme un caca encore. 220. Heureusement, j'ai plein de thunes. Une pièce. Tu es un arnaqueur, mais tant pis. Attends un instant. Hop là. Oh, Alex! Ah, vous voilà! Je me doutais qu'on pourrait se croiser en route, puisqu'on est tous en train de chercher un navire. Mais heureusement, le seul bateau dans cette ville semble avoir déjà été vendu. Je vais rester ici un petit peu plus longtemps. J'ai voyagé longtemps, je suis fatigué. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter avant qu'on se sépare. Le mât brisé du bateau ne sera pas du bateau qu'ils ont vendu ne sera pas facilement réparé. Cela dit, enfin, à moins qu'on ne s'en charge. Et du coup, si on utilise la télépathie sur lui, je crois qu'il la refuse. Vraiment, si. Vraiment, j'aimerais que tu arrêtes d'essayer d'utiliser la télépathie sur moi. Fais-moi confiance. Mes pensées s'éclairciront vraiment le moment venu. Le mec est quand même balèze à ce point. Alors maintenant, allons voir un peu les vendeurs. Parce que là, on a de la thune. Moi, je veux pas de l'armure. Moi, je veux de les armes. Ah, intéressant. Écoute là. Battle Axe. Non, je voulais pas l'acheter. Ah, j'ai tout merdé, j'ai tout merdé, j'ai fait caca. J'ai fait du gros caca. Tiens, je te la revends. Heureusement, il me la revend pour pratiquement aussi cher. Hache de Thémis, 240, hop. Tu vends des trucs rares? Ah oui, ils vendent des trucs rares. Baguette de sorcière. Pour elle, ça va être bien. L'épée large. La clé mort. Est-ce qu'on l'achète pour Pavel? Est-ce qu'on lui achète une clé mort? 12 d'attaque en plus. Ouais, non. Parce qu'il a déjà une arme spéciale. On va acheter l'épée de chasse. Le coutelas du chasseur pour Olina. Pour monter un peu son attaque.
Surtout, on va aller acheter de l'armure. Genre toute la putain d'armure qu'on peut. Genre armure de cuir. C'est mieux que la veste d'acier. Enfin, la veste de métal. La robe de voyage. Pour mesdames. Bouclier en bronze, oui. Enfin, sauf qu'elle elle a déjà le truc là, donc on va lui laisser pour un point de défense. Ah putain, on est mieux là. Oh, c'est pas bon. C'était pour s'enlever bien au maire de Madra. Ah, il doit être là pour Briggs. Je serais mieux d'aller prévenir les autres. Non, je ne veux pas d'acheter de canoë. Est de la fra. Ah, ça sert à rien. Le map bougera pas, peu importe combien, à combien on s'y met. On va devoir se débarrasser de tous les débris d'abord. Ah, si on arrivait à avoir pied, mais si on arrivait à avoir une bonne assise, on pourrait se débarrasser de tout ça, on n'a rien de temps. Il n'y a pas que ça. Il faut qu'on fasse quelque chose pour la corde qui est coincée. Ça serait pas difficile à démêler, mais... Non, une fois démêlé, ce serait facile, mais il faut qu'on l'atteigne. Ouais, super facile. À part cet énorme rocher. Ah oui, le rocher. Comment est-ce qu'on est censé se débarrasser de ce truc qui est énorme? Et pour moi, il y a qu'on déplace ce truc tout seul. Ouais, en tous les cas, on peut rien faire tant que Zach a pas fini le canoë. Bonjour monsieur. Vous avez un problème? Vous êtes nouveau, non? Oui. Vous êtes probablement curieux à propos de ce bateau. Oui. Ils appellent ça un voilier. Le vent est la seule chose qui le fait bouger. C'est incroyable, non? Oui. Il y a qu'à la fra qu'on trouve des navires aussi développés. Je suppose que l'époque où n'importe qui pouvait aller en mer devait arriver un jour. Sauvegarder, je sais pas si le combat avec Briggs commence direct. Je crois pas, je pense qu'il y a des trucs à faire avant. Le maire d'Afra, hein. Ah non, il va y avoir le combat de boss tout de suite. Donc on va faire une première tentative, on va se faire défoncer. T'en es certain? Alors, comment est-ce qu'il savait qu'on était venu ici? Il savait qu'on avait besoin d'un navire et il a vu qu'on était parti pour l'Est. Ça semblait assez évident. Ah ouais. C'est vrai que dit comme ça, c'est assez logique.
Ah mais non, j'avais dit qu'il fallait que je fasse la voix de Bob Lennon pour Briggs. Heureusement qu'il n'y a pas des fans hardcore de Bob Lennon sur le stream, parce que sinon je me ferais défoncer. Et il a dit qu'il cherchait le maire. Il doit espérer que le maire lui dise où on est. Ah merde, j'ai dit, il faut que je fasse la voix de Bob Lennon. Ça va tellement être un massacre. Il dira probablement à la France qu'on est des pirates, non? Les pirates? C'est un peu injuste. Ah, je fais très mal Bob Lennon. Et comment ça? Mais les pirates, ouais. Je veux dire, on a piqué tout un tas de trucs qui nous appartenaient pas. Mais uniquement parce que sinon on allait mourir de faim, on n'avait pas le choix. Mon Bob Lennon est dégueulasse. Ah. Et puis quand bien même, on n'a jamais piqué grand chose. Ah bon? Tout ce qu'on prend, on n'a jamais pris. Attends. On n'a jamais trop pris à qui que ce soit. Ouais, je suppose. Et pourquoi est-ce que tu penses qu'on a fait ça? C'est vrai, pourquoi? Parce que tu peux jamais dire, tu peux jamais deviner comment c'est, comment les villes riches pourraient réagir, c'est trop dangereux. Ah ouais, c'est pour ça qu'on n'a rien piqué à l'AFRA. Exactement. C'est pourquoi nous devons éviter les villes dangereuses et prendre juste ce dont on a besoin des autres. Tu vois, c'est pour ça que t'es notre capitaine, Briggs. T'as un cerveau entre tes deux oreilles. Y a rien de bien futé avec tout ça. Il me semble avoir entendu une fille. Où ça? Et d'où sortez-vous? Est-ce que vous êtes conscient qu'une personne a été accusée pour vos crimes? Pardon? Vous allez venir avec nous et prouver l'innocence de cet homme. Et pourquoi? Oh, j'espérais que nous puissions éviter toute violence cruelle et inutile, mais vous ne nous laissez pas le choix. J'adore quand ils font ça. Vous traînons avec nous s'il le faut, mais vous venez. Pas vrai, Pavel? Oui. Tant mieux, on va leur donner une bonne leçon. Vous n'avez aucune chance. On est des criminels endurcis, nous. Mais c'est... On bouffe des petits punks comme vous pour le petit-déj. Non mais regardez-vous. Les petits morveux qui se prennent pour des justiciers. C'est vous qui avez une leçon à prendre. Ba-ba-la. Briggs et le pirate. Poison. Raté. J'ai retenté de les empoisonner. Il est sensible à l'air. Ok, non, le poison ça marche vraiment pas. Stylé comme attaque. Donc il est sensible à tout en fait ce con. J'ai oublié que le thème de Briggs était aussi badass. Des attaques physiques, ça serait bien de faire ça en fait.
Atalanta. Ouh, ils prennent cher dans leurs dents. Ah, j'aurais mieux fait de sauver Pavel. Fais chier, il va mourir sinon. Oh non, putain, j'ai eu de la chance. J'ai tellement bien fait de le mettre en défense. Ikko Zagen. Atalanta. En fait, on est en train de le gérer, Briggs. Dans mon souvenir, il était plus dangereux. Ça, on est déjà à fond en défense. Punition divine. Ah, on a eu Briggs. Bah, c'était facile en fait. C'était genre très très simple. Genre elle finit avec un coup spécial en fait.
Ouais, tant pis. 741 d'XP. Ah oui, il se fout pas de notre gueule quand même. Ah, elle est le Wind Slash. 1400, ouais, c'est bien. Bon, ça c'est fait. Et je suis prêt à parier que tous ceux que Briggs a attaqué seront ravis de la prendre. Ça devrait apaiser toute la région d'Indra. Ah. Tout le monde avait l'air de craindre Briggs le pirate. On a perdu. Et même les pirates ont un honneur. Je partirai calmement. Je ne ferai pas un caprice juste parce que j'ai perdu. Allez-y, livrez-nous à Madra ou à la Fra ou qui vous voulez. Bien, d'abord vous allez dire au Madran que l'homme appelé Pierre c'est innocent. Ok. Donc j'ai juste à dire que Pierre ce n'est pas un des hommes. Oui. C'est ça. Vous lui direz qu'ils peuvent libérer leurs prisonniers. Bon, on s'est assuré de sa parole. Attends, on n'a plus qu'à apporter au Madran. Attendez. Est-ce que vous ne pourriez pas leur pardonner? Qui êtes-vous, madame? Je m'appelle Shosha, je suis l'épouse de Briggs. Donc vous êtes une pirate? Non, Shosha n'a rien fait, laissez-la. Je sais que Briggs et ses hommes ont causé beaucoup de problèmes avec leur piraterie. Ça oui. Et je sais que leurs crimes ne peuvent être ignorés. Dans ce cas, comment est-ce que vous pouvez demander à ce qu'ils soient simplement pardonnés? La seule raison pour laquelle Briggs est devenu pirate est pour pouvoir aider les gens de Champa. Notre ville est... Et de culture pêche, notre. De culture maritime. Toute notre vie tourne autour de la mer. Mais ces dernières années, la mer a changé. Nous ne pouvons plus vivre de la façon dont nous le faisions avant. Les océans sont réchauffés et tous les poissons ont disparu de nos eaux. Le sol de Champa est rocheux et stérile. Aucune pousse ne peut grand. Aucune culture ne peut être faite là-bas. Aucune? Donc vous n'avez aucune graine? Aucune viande? Ah, la vie à Champa doit être bien dure. Ce n'est pas dur, c'est insupportable. Nos enfants ne peuvent pas manger. Notre ville meurt. Make Champa great again. Ces hommes ont promis de revenir avec de la nourriture pour tout notre peuple. Mais ils n'ont rien trouvé. Et donc vous êtes devenus des pirates, des voleurs. On ne sait pas exactement où se trouve Champa. Le village est logé au coin sud-est d'Angara. Sud-est? Mais c'est pas à côté d'Oxian et du temple Lama? Ah, bonne mémoire. Eh bien, si on traversait les montagnes au sud, depuis là-bas, on atteindrait Champa. C'est loin. Ah oui. Tu crois que les bons pirates ils vont faire leur business à côté de la maison? Non mais oh. S'ils avaient pillé les villes près de Champa, il aurait été évident de savoir d'où venaient les attaquants. Et personne à la maison pourrait nous pardonner s'ils savaient. Surtout pas ma grand-mère. Et où est-ce que ça nous mène? Est-ce qu'on va seulement accepter? Est-ce qu'on va simplement accepter que vous pillez toute la région d'Indra? Je suis choqué, je vous le dis, choqué. Qu'est-ce qu'il y a de choquant? Il semble qu'il soit vraiment des pirates, comme vous le disiez. Monsieur le maire, je suis pour le moins déçu que vous ne nous ayez pas cru.
Il n'a probablement même pas cru qu'on était de Madra si le maire était pas avec nous. Comment pourrais-je croire les accusations d'un étranger? C'est ça votre position, monsieur le maire? Et comment pourrais-je croire qu'une vague aurait pu balayer Indra jusqu'à Osenia? Aucun groupe d'hommes pourrait venir à pied de Madra jusqu'à Lafra. Ah, oui, surtout vous nous avez tous oubliés. Je ne suis pas très certain que vous vous souveniez de la dernière fois qu'on s'est rencontrés, n'est-ce pas? Nous sommes rencontrés lorsque j'étais enfant. Ça devait être il y a un peu plus d'une dizaine d'années. 20 ans. Ça fait 20 ans que je ne vous ai pas vu. Oh, déjà? Eh oui, ça fait bien longtemps. Ah, je suppose que je peux pas trop vous blâmer d'avoir oublié à quoi il ressemblait. Ne sois pas stupide, je n'ai pas oublié son visage. C'est son visage qui a changé. Excusez d'interrompre votre interruption, mais... Est-ce que je peux me permettre de supposer que je parle au chef de Madra et d'Alafra? Excusez-moi d'interrompre votre interruption, elle est bonne celle-là. Vous avez raison, je suis le maire de Madra. Et je... Je suis le maire de Lafra. Et je suis l'ancien de Madra. Je suis un ami proche de Shin dont la fiancée a été blessée lors des attaques de Champa. Je suis l'érudit Telos. Ainsi Pavel, le chef de notre groupe. Je suis Lina, la sœur de Pavel. Je m'appelle Silla, je viens de la ville de Laivero. Bon, maintenant j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous amène ici. On est venu pour Briggs, le maire de Madra prétend que... Nous avons suivi Briggs jusqu'ici depuis Madra. Bien sûr, nous avons de bonnes raisons de le soupçonner comme l'un des pirates. Et j'étais honnêtement surpris d'avoir un homme d'affaires tel que lui ainsi accusé. S'ils étaient vraiment des pirates, alors pourquoi s'embêter à acheter un navire? Parce que l'argent qu'ils ont utilisé pour acheter le bateau a été pillé chez nous. Qu'est-ce que vous dites de ça? Si l'argent a été acheté avec l'or Madran, dans ce cas, il appartient au Madran. Qu'est-ce que vous en dites? On vous le rend le bateau, et vous nous laissez partir. Et où irez-vous? Je ne fuirai pas, je ne me cacherai pas. En fait, je me sens pas très bien pour ce que je vous ai fait. Je suis même assez démotivé. Dans ce cas, ça doit pas vous déranger d'être enfermé. Briggs. Ne t'en fais pas, Chacha, je reviendrai. Occupe-toi bien d'Eoléo. Tes pouvoirs m'ont pris par surprise. Mais je pense que même sans eux, vous nous auriez surpassé. Nous prendrons le bateau alors. Vous allez prendre notre bateau? Vous êtes pire que nous? Vous avez même pas payé pour ça? Silence vous tous. Faites ce que vous avez à faire, mais je n'ai qu'une requête. Devrait laisser Chocha et Oléo rester à l'intérieur du bateau jusqu'à ce qu'il soit réparé.
n'avez commis aucun crime à la fra, Briggs. Laissez-le enfermer au moins jusqu'à ce que le navire soit réparé. Et notre prisonnier, Pierce, est-ce que c'est un de tes hommes? Je ne connais personne qui s'appelle Pierce. On dirait que vous avez fait une belle connerie. Voyez, je vous avais dit, Pierce est innocent. Retourne à Madra et fais-le libérer. Moi? Tout seul? Deux d'entre nous resteront ici. Tu pourras rentrer à Madra avec les autres. Très bien, nous rentrons tout de suite. Venez avec nous, s'il vous plaît. Et voilà qui est réglé. Rentrons dans mon manoir, autour d'une bonne tasse de thé. Telos, c'est ça? Merci beaucoup de nous avoir réglé à régler tout ça. Si vous avez le temps, je vous en prie, passez mon manoir avant de partir. Non, rien de spécial, mais j'aimerais vous remercier pour le service rendu. Pourquoi j'ai l'impression que le maire d'Alafra préfère avoir affaire à mon père plutôt qu'à moi? Merci beaucoup. Grâce à vos efforts, Pierce va être libéré. Et maintenant, ce magnifique navire appartient à Madra. Rien n'aurait pu se dérouler aussi bien sans vous, merci. Malheureusement, je n'ai aucune récompense à vous offrir. Oh, pas Coty. Nous n'avons besoin d'aucune récompense, c'est vrai? Oui, ça va. Ah, ton été est rafraîchissant, Pavel. Alors que... Ah non, j'ai dit... Bah si, quand même, j'aimerais bien une récompense. Ah, je sais, venez à Madra une fois que le bateau sera réparé et que nous serons rentrés. On est toujours en train de récupérer des effets du tsunami. Ce sera pas grand chose, mais je devrais pouvoir vous trouver une récompense. Bien, allons-y. Je vois, dans ce cas... Non, rien, oubliez. J'ai le droit de rester sur le navire, non? Jusqu'à ce qu'il soit réparé. Oui. Très bien, dans ce cas, si vous avez besoin de moi, je serai avec Léo. Ouais. Je me sens un peu mal pour Chocha. Ah, qu'est-ce qu'on peut y faire? Après tout, c'est elle qui a épousé un pirate. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous propose de chercher Pierce. Il pourrait nous apporter beaucoup d'infos. C'est vrai, il avait l'air d'être un mystique de l'eau. Peut-être qu'il pourrait nous en dire un peu plus sur ces terres. Est-ce que vous pensez qu'on devrait les aider à réparer le bateau? Si on aide avec le bateau, peut-être que qu'ils nous offriront le voyage jusqu'à Madra. Bonne idée. Qu'est-ce que ça y peut aller? Ouais, allez, on peut le faire. Bien. Allons voir si on peut faire quelque chose pour qu'ils puissent reprendre la mer. Alors, le truc, c'est qu'on peut rien faire. On peut aider un petit peu, mais en vrai... Pas tant que ça. Non, je vais pas creuser. Voilà. Oh, une miche de pain. Mais ça, on ne pourra le voir qu'après. Ça va être pour une des plus grosses et longues quêtes du jeu. Alors, ce que je propose, c'est de nettoyer un peu le bateau. Tu penses pouvoir aider à relever le mât? Même Briggs et tous ces pirates n'ont pas réussi. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Si on somme notre aide, on peut au moins essayer. N'est-ce pas, Pavel? Eh bien, autant s'y mettre tout de suite. Voilà. Ouais, je vais faire le peu qu'on peut faire à ce stade-là du jeu.
Désolé. Ah, désolé, hein. Et c'est parce que j'ai les lèvres sèches aussi. D'habitude, je siffle mieux, mais j'ai les lèvres super sèches là. C'est parce que je parle tout le temps. Par contre, Briggs, du premier coup, j'y ai pas cru. Hein. Ah, j'ai plus de synergie. Mais recharge, synergie à la con. Mais recharge. Bon, ils étaient faciles. Ouais, mais il est pas tout le temps aussi facile que ça. Hein. Il n'est pas toujours aussi facile que ça, Briggs. Hein. Putain, mais cette synergie, elle recharge pas, ce con. Bon, bah, du coup, on va utiliser une eau de la montagne. Hein. Le cul, hop, voilà. Je pense que c'est parce que j'ai fait du leveling avant, sinon Briggs est vraiment infâme. Ah, et voilà, donc ce rocher-là, ah, bah, on peut rien y faire. Je sais pas ce qu'on peut faire pour être ce rocher. Je pense qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait. On devrait y aller. Heureusement que le jeu te dit non, c'est bon, t'inquiète, c'est pas que t'es nul, c'est juste que tu peux rien faire pour l'instant. T'en as fini, Pavel ? Oui. Attends, mais si tu. Tu voulais faire ça et maintenant tu te dis d'abandonner ? On peut pas faire grand chose d'autre, Cilia. Peut-être qu'on devrait chercher un autre bateau alors. Pas que je prévoyais d'emprunter le bateau des manants. Ça dit, je pensais leur demander si on pouvait l'utiliser. Mais il semblerait que ce bateau va rester au port encore un moment. Donc je pense que le mieux serait de laisser tomber et de commencer à chercher un autre. Ah, donc ce pauvre petit garçon qui a faim, il veut du pain. Ah, j'ai faim, je peux plus bouger. Sauf que je n'ai pas de quoi lui donner. Mais ça, il nous faudra une autre synergie qu'on trouvera plus tard. Voilà, toutes les armes, ils vendent toujours de la merde. Hop, on va aller faire un tour à l'auberge et on va s'arrêter là pour ce soir. Donc ça, un donjon, deux boss, de l'histoire qui avance, je pense, on s'est pas mal débrouillé pour ce soir. C'est bizarre, là j'ai l'indication de Twitch. Twitch me dit que j'ai un débit de 194 kilobits seconde. OBS me dit que j'en ai un de 584. C'est plus que la dernière fois, c'est clair, la dernière fois j'ai fait du surplace. Donc ouais, j'ai une connexion qui est vraiment dégueu quoi, c'est vraiment bizarre. Et pourtant Twitch me dit, ah non, ta connexion en fait elle est excellente hein. C'est chelou. Donc bon. Donc je re-sauvegarde pour être sûr. Hop. Donc merci d'être passé, merci d'avoir regardé le stream, merci à ceux qui regardent la rediffusion. La prochaine fois du coup on va continuer, donc on va repartir vers Madra, on va partir à la recherche de Pierce. Donc ça va nous mener jusqu'à Champa normalement, enfin pas à Champa mais à Kibombo normalement. On va arriver jusqu'à Kibombo. Il va se passer des choses.
Donc, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc à la prochaine. C'était Kellam. Et n'oubliez pas, praise the golden sun. Yop.